Bonjour à tous et bienvenue du coup pour cette nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui va donc être ma review, mon avis sur la première partie de Sonic Prime. Sonic Prime du coup avait été annoncé par un tweet de Netflix en décembre 2020, si je dis pas de bêtises, qui annonçait juste une collaboration entre Netflix et Sega pour Sonic, et plus de nouvelles. Et il a fallu attendre en vrai, vraiment très longtemps avant d'avoir des nouvelles en fait tout simplement, et ça y est, après il y en a eu, on a eu des petits teasers par-ci par-là. En fait je trouve déjà que la communication de Sonic Prime a été une catastrophe, et je pense même qu'on peut dire que ça a été pire que Sonic Frontier, mais vraiment, pour la simple bonne raison que autant si Frontier on avait quand même quelques images par-ci par-là et du gameplay, Prime on a vraiment mais alors eu que dalle jusqu'à sa sortie presque. On a eu 3 petits teasers de merde qui nous montraient juste Sonic qui court ou Shadow qui court, bref des trucs on s'en fout entre guillemets, mais qui nous montraient au moins un petit peu la direction artistique de la série. Et enfin après, mais pas très longtemps avant la sortie de la série, on a enfin eu un vrai trailer qui a donné envie du coup de regarder la série. La série, vite fait en résumé, hein, voilà, c'est Sonic du coup qui va briser un cristal qui est donc visiblement un cristal qui permet de voyager à travers le multivers. Et donc lui, il va être téléporté dans un monde, donc je crois que c'est New York City ou Neo York City, je sais plus. On va l'appeler City, hein, ce sera plus simple, comme ça je suis sûr de pas me tromper dans la prononciation. Et où en fait, dans chacun de ces mondes, il y aura des sortes de variants de ses amis, donc c'est-à-dire de Rouge, de Knuckles, de Tails et de Amy, qui vont être complètement différents. Certains vont être un peu à l'état sauvage, d'autres vont être des rebelles, ou alors Amy va être robotisée par exemple, d'autres vont être des pirates. En gros, c'est les trois mondes, hein, voilà, c'est littéralement qu'on voit. Bon, le concept de la série est pas mal, ça exploite le multivers, ce qui est sans, et c'est pas forcément méchant, mais un peu la mode actuellement du coup. Bon voilà, c'est un peu le speech du coup de la série. Et très honnêtement, c'est une série que j'attendais énormément. Alors oui, évidemment, parce que c'est Sonic, mais surtout parce que moi je retiens deux séries actuellement de Sonic que j'ai vraiment trouvé bien, Sonic X évidemment, et la série Sonic Boom qui est sortie du coup plus récemment, en tout cas c'est la plus récente de toutes. Donc sachant qu'il y en a une qui essayait un peu de reprendre un peu une sorte d'histoire originale dans le monde des humains, mais en y adaptant certains arcs des jeux, et une autre qui se veut du coup complètement différente dans un univers complètement à part, j'avoue que je savais pas du tout à quoi m'attendre pour Prime du coup. Et techniquement, bah Prime c'est pour le coup vraiment la série qui se rapproche le plus des jeux. Et pour une raison très simple, et ben ils sont dans la série canon au jeu en fait. Et c'est là du coup que moi personnellement je pense que je n'aime pas la série dans un sens, même si j'adore la série, mais il y a quelque chose qui m'empêche de pleinement l'apprécier, c'est le fait qu'elle soit canon en jeu. Sur le papier, c'est positif, parce que du coup, le lore est respecté, on a le lore de Sonic, hein, on a la base, on a tout de Sonic dedans, mais ce qui pose problème, c'est que juste avant, on a eu Sonic Frontier. Et alors pourquoi c'est un problème? Bah le problème en fait, c'est que dans Sonic Frontier, Sonic est relativement mature, on a un personnage qui a de l'expérience, on sent qu'il a vécu des aventures, qu'il a combattu des ennemis, qu'il n'est plus l'imbécile d'avant. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment bien dans le caractère de Sonic de Frontier. Il sait toujours faire des blagues mais reste sérieux, et il a son objectif qui est bien focus. Dans Prime, on a un imbécile. C'est le syndrome de Goku dans Dragon Ball Super, je suis désolé. Et je vais être aigri, hein, mais je trouve presque Sonic de Prime est encore plus débile que les Sonic de ces dernières années. C'est-à-dire que même le Sonic de Lost World, de Génération, de Colors, et même de Forces, et même de Boom, est plus sérieux, façon plus sérieux que Prime. Parce que Sonic, dans Prime, vraiment, pour les 3-4 premiers épisodes, c'est un gogol. Il ne se remet pas en question, il passe pour un imbécile, il fait que des erreurs. Je comprends pas, en fait, comment on peut dire que ça, c'est canon au jeu, et c'est ça, moi, qui va m'énerver personnellement. Bon, bref, outre ça, le reste de la série est vraiment top, mine de rien. Parmi les trois mondes, moi, il y en a un que j'ai évidemment retenu, c'est City, pour la simple et bonne raison que c'est celui où on va avoir le plus d'histoires, mais c'est aussi celui, du coup, qu'on va avoir le plus, en fait. Et où on a le meilleur personnage de la série, qui est littéralement Ninetales, hein. Mais je trouve au final que même c'est le monde qui exploite le plus ce multivers entre guillemets, parce que on a à la fois Rouge et Knuckles qui sont des rebelles, qui sont donc là pour combattre les 5 Eggman pour le coup. On va avoir Tails, lui, qui a vécu à peu près la même chose que dans l'univers Sonic qu'on connaît, mais à la différence que cette fois-ci, il n'y avait pas Sonic pour l'aider, et donc ça a créé un Tails, mine de rien, qui a été complètement distant des autres, qui est devenu insociable et qui a dû apprendre le monde par soi-même. Et on a une Amy, du coup, qui est
robotisé qui est là une bah, pour le coup c'est l'antagoniste de la série hein, et ça on le voit principalement à la fin quand elle se ramène dans le monde des pirates hein, c'est l'antagoniste, c'est même pas Eggman en lui-même, c'est Amy qui va vraiment être là pour faire chier Sonic. Il y a le monde de la jungle, mais le monde de la jungle lui je l'ai trouvé bah alors pas mauvais, mais c'était le moins bon. Parce que je trouve qu'en fait, on en ressort avec rien. Alors si, on en ressort comme, attention, voilà, on se pardonne, voilà, on a fait des erreurs. Mais je sais pas, tout le reste, je l'ai pas trouvé ultra intéressant, en fait. À la limite, le seul point vraiment positif que je vais trouver du coup au monde de la forêt, c'est ce message écologique qu'ils veulent transmettre du coup aux plus jeunes, parce que la série reste destinée aux plus jeunes à la base, mais à la manière Sonic est plutôt bien amenée. Mais globalement, si on enlève l'intention de ce message, bah, je trouve que ce monde raconte pas grand chose en fait. Et c'est ça que je trouve un peu dommage, c'est qu'on a trois sauvages, une méchante, alors que dans City, par exemple, on a vraiment ce côté où chaque personnage est différent, certains doivent mener une rébellion, d'autres doivent survivre, d'autres vont être aux ordres de leur patron, donc des et même dans le monde de pirates qui est le deuxième meilleur à mon sens, où là on a à la fois quand même un équipage qui a un capitaine qui a du vécu, qui est terrifié mais qui va finir à la fin par perdre la tête pour récupérer le joyau déjà qu'il avait mené à sa perte, et ça c'était quelque chose que j'avais trouvé justement intéressant. Et je trouve justement que ce qui est un peu dommage, c'est que les seules fois où j'ai vraiment mais vraiment apprécié le Sonic de Prime, c'était dans New York City, enfin New York City ou New York City, où par exemple il doit justement raisonner Ninetales qu'il a envoyé dans une dimension un peu bah, la dimension 0 je crois qu'ils appellent ça comme ça, ou je sais plus, mais où on est vraiment en fait ils sont tout seuls, donc lui il est là mais on peut pas rester comme ça, il faut qu'on retourne les aider. Je trouve que là c'était le Sonic qu'on connaît, et littéralement le Sonic du dernier épisode où ils doivent aller récupérer la gemme, là aussi j'ai trouvé que c'était Sonic quoi. Par contre c'était limite, c'est même je pense mon épisode préféré celui-ci. Donc Sonic Prime au final à mon sens ça reste quand même, et ben je vais le dire quelque chose qui va peut-être pas plaire à tout le monde, mais la meilleure série Sonic actuellement. Alors j'ai dit bien actuellement parce qu'on est qu'à la première partie, donc c'est compliqué de vraiment jauger ce que va donner le reste de la série. Et le truc c'est que je dis que c'est la meilleure série parce que c'est aussi la série où bah il se passe toujours quelque chose, où c'est toujours intéressant. Et là je vais parler de Sonic X justement de manière un petit peu aigrie, mais Sonic X c'était pas si fou. Attention, je dis pas que la série est mauvaise, très loin de là, ça reste ma série préférée, mais le truc c'est que on a un personnage qui se veut être le personnage principal avec Sonic qui est insupportable, que personne n'aime hein, désolé mais qui aime Chris, personne. À la limite, on l'aimait quand on était petit parce qu'on s'identifiait à lui, et c'était le but justement dans Sonic X, c'était de s'identifier à Chris en tant qu'ami de Sonic. Le truc c'est que une fois que tu vois ça avec un autre œil, juste Chris est chiant. Il est chiant, et littéralement, il est chiant parce que dans il y a littéralement un épisode où il empêche Sonic de rentrer dans son monde. Il est purement égoïste, et c'est ça d'ailleurs, je trouve, qui fait que Sonic X a un des pires personnages de la franchise. Et même hormis Chris, bah en fait, le truc c'est que, à part les arcs des jeux, l'arc Metarex, le reste c'est pas fou. Le problème c'est que le reste, ça représente quand même une grosse partie de la série. Il y a des épisodes qui sont très bien. Je pense par exemple au légendaire épisode 26 de la transformation de Super Sonic où il s'est fait péter la gueule par Eggman. Là oui c'est un bon épisode, l'épisode d'avant aussi à la limite, parce qu'il y a toute la course poursuite avec Robotnik, le fait que Knuckles se fasse encore berner. Le problème c'est que des épisodes comme ça il y en a rarement si on enlève les arcs des jeux, et même les arcs des jeux ils sont parfois un petit peu mal amenés. Moi je trouve par exemple que l'arc Sonic Battle de Sonic X est pas forcément bien retranscrit, même si j'avoue que j'ai quand même versé ma petite larme à la fin quand Emerald meurt, et le reste de l'arc je trouve qu'il est pas forcément top top. Après je dis pas, Sonic X reste une super série par contre hein, c'est clairement un de mes coups de cœur depuis toujours, mais objectivement je trouve quand même que Sonic Prime est la meilleure actuellement. On va attendre effectivement la fin de l'animé ou la fin de la saison 1 au moins pour déjà juger ça, parce que on a vraiment le lore de Sonic, on a le caractère qui est respecté, on a quelque chose de cohérent qui se tient, et il n'y a pas de filler à la con. L'épisode où Chris là il voit ses parents et on s'en prend. En fait le truc c'est que pareil, l'épisode où Chris voit ses parents qui le voient jamais, et on s'en fout. Vraiment l'épisode était chiant, je crois que c'est un épisode que je skippe le plus d'ailleurs. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, en tout cas, moi je vais m'arrêter là. J'ai très hâte quand même que la saison 2, enfin la partie 2 de Prime sorte, parce que ça se termine sur un gros cliffhanger, et ça j'avoue que ça m'a fait bien plaisir. Merci à tous, ciao tout le monde.